Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Super Mario Galaxy. Et donc c'est le 9e épisode. Et donc aujourd'hui on va finir déjà de vaincre Bowser. Et puis on verra après ce qu'on fera. Allez, c'est parti. Ok, bon, donc là, mince, ok, ça commence bien. Alors, là, hop. Ok, on va essayer de le faire aller ici, mince. Pour, mince. Oui, bon, c'est pas très grave pour le moment. Là, il va, ok, donc là, il va faire la toupie, donc faut qu'on s'éloigne. Allez, viens là. Ok, là il me faut une pièce. Je fais n'importe quoi là, c'est que le premier niveau. Enfin, le premier... Ok, c'est bon. On l'a, là, on l'a, on l'a. Il est là, hop là. Mince. Il m'a renversé. Ok. Alors, j'ai baissé un peu le son du jeu, peut-être un peu trop. Allez, hop. Mince. Oh, satanée toupie. Allez, viens là. Allez, on va aller là. On va aller là, on va aller là. Et hop là. Là, on va le recroiser. On fait ça. Ok, très bien. Voilà. Alors, là, il fait les ondes de choc. Là, ah, il y en a beaucoup, dis donc. Là, il fait la toupie. Ah mince. M'a touché. Là, allez, viens. Ah mince, il refait la toupie. Et là, maintenant, il vient là. Ok, c'est bon. Mais ça peut être bon, là. C'est potentiellement bon. On va aller là. Très bien. Ici, paf. Et là, paf. Voilà. C'est fait. C'était assez simple. Ça n'a pas posé trop de problèmes. Quoi, je reconnais bien là mon ennemi juré. Enfin, cette fois, c'est trop tard. Tant que nous faisons joujou ici, mon plan touche à son but. Dommage pour toi, Mario. C'est dommage. Tant pis. On abandonne. Mais avant, on prend l'étoile. Ok. Donc là, on arrive ici, et le Brésil devient bleu. Il était rouge au départ. Oh, on a accès à l'étage supérieur. Ça réactive ça, très bien. Et ça nous donne accès à l'avant-dernier pavillon. Très bien. On a gagné une étoile, oui, voilà. Ok. Ok. Nous avons découvert où se trouve celle qui t'est chère. Regarde la plaque à tes pieds. 18. Elle indique la puissance stellaire qui nous manque pour nous rendre au cœur de l'univers. Un peu de puissance nous est rendue chaque fois que tu ramènes une super étoile. Et lorsqu'il aura atteint 0, l'observatoire de la comète retrouvera ses capacités d'astronef. Et nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers. On sauvegarde. Donc là, du coup, on va aller faire un peu de quête secondaire, de comète, de goinfre luma, etc. On prend la... Ah, une lettre de Luigi. Ok, on va commencer par faire ça. On va chercher Luigi. D'accord, je vois où il est. On y va.
Donc nous voilà au royaume des abeilles pour sauver Luigi. Alors comment faire? En fait c'est un arbre là-bas qui est à gauche. Donc comment faire? On va prendre Mario Abeille déjà. Pour commencer. Ok. Donc après on fera quelques Goinfreluma et Comète en fonction de ce qui apparaît. Ok. Comment on peut accéder là-bas déjà d'ailleurs? Ok. C'est bien cette attaque là en l'air. Je l'avais jamais remarqué. Mince, je suis bête. Bah, je vais retourner chercher le costume. Comment faire pour aller là-bas d'ailleurs? Ah, je pense que j'ai une idée. Je suis pas sûr que ça marche. Mais on va essayer. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Ok, donc là on vole au-dessus du vide. Hein. Si là il y a de l'eau, c'est pas pour rien. C'est pour nous potentiellement faire tomber dans l'eau quand on va là. Voilà, ça marche. Très bien. C'est ce que je voulais. Voilà. C'est bon. On va aller là, sur cette souche. Ok. Là, on peut juste s'envoler, là, tout simplement. Et il est là, Luigi. Faut peut-être tuer ça. Eh, Luigi. Oui, oui, oui. Ah, Mario, le gros insecte est parti. Alors, prenons vite la super étoile et rentrons. Ok, cette fois, elle est pas verte. Hein. Je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 400, je me transformerai. D'accord. Bah, je te les donne. Voilà. C'est parti pour cette nouvelle galaxie. Qu'est-ce que ça va être? On ne sait jamais à quoi s'attendre. Oh, une galaxie. Allez. Alors. Astéroïdes au cocon. Les cocons élastiques. Visiblement, c'est des cocons. Oula, oh non. Oh, ça va être horrible, je sens. Ok. Voilà, donc là. On est comme ça, là. Il faut faire attention à ça. Faut bien viser aussi. Ça va pas être facile. Ok. Ok, on a perdu. Voilà, c'était sympa. Allez. Est-ce que ça va le faire? Oui, ça l'a fait. Non. Ok, on a gagné 2 win-up, donc là on perd une vie, donc on a gagné un win-up. Ok, ça y est, j'ai enfin avancé un petit peu. Oh là 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 là. Oh là 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 là, pourquoi j'ai fait ça? Ouf. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai plus le droit à l'erreur. C'est là qu'il faut aller. D'accord, je vois. Là, je fais comme ça. Allez. Ok. Voilà, tout ça pour ça. D'accord, très bien. Allez, hop là. Allez, j'espère là. Déjà, j'espère que si je meurs, ça me fait pas revenir au tout début. Non, non. Parce que je suis mort. Et j'espère y arriver aussi. J'ai déjà mis je sais pas combien d'essais. Ok, ça va, on recommence de là. On arrive enfin à aller sur ce cocon là.
Hop là. Non. Oh non. Oh non. Ça y est, on arrive là. À ce qui semble être la dernière ligne droite. Non. Non. Ok. Allez, là, on se concentre à 100%. Oui, c'est bon, enfin. Allez, petit tour à la bibliothèque. On va continuer l'histoire. Je sais plus combien on a de chapitres à faire là, de retard, je veux dire. Chapitre 4, le rêve. Une nuit, la fillette rêva de sa mère. Où vas-tu, maman ? Demanda-t-elle à la silhouette de sa mère qui semblait s'éloigner. Sans se retourner, sa mère lui répondit : Ne crains rien, je ne t'abandonne pas. Le jour, je serai le soleil. La nuit, je serai la lune. Ainsi, je veillerai toujours sur toi. Une vague de tristesse s'abattit sur la fillette. Et comment feras-tu lors des nuits pluvieuses où il n'y a ni soleil ni lune ? Après quelques instants de réflexion, sa mère répondit. Je me changerai en étoile et j'attendrai par-delà les nuages que tu arrêtes de pleurer. À son réveil, la fillette avait les yeux mouillés de larmes. Le luma allongé à ses côtés demanda. Pourquoi est-ce que des éclats d'étoiles coulent de tes yeux ? Essuyant ses larmes, la fillette répondit. Malheureusement, ce ne sont pas des éclats d'étoiles. Je pleure parce que je ne reverrai jamais ma maman. Le luma se mit à pleurer à son tour. Maman, maman. Ils avaient croisé de nombreuses comètes au cours de leur périple intergalactique, mais aucune d'elles n'avait été celle de la maman du luma. Ne pleure plus, petit luma, sinon comment veux-tu que les nuages s'en aillent ? Dit la fillette en serrant tendrement le luma dans ses bras. Si tu arrêtes de pleurer, je te ferai un cadeau. C'est moi qui serai ta maman désormais. En même temps que ces mots franchissaient ses lèvres, la fillette sentit une petite flamme s'allumer au fond de son cœur. Chapitre 5, la maison. Ici, ce sera la cuisine, là-bas la bibliothèque, et par là, la salle de jeu, dit la fillette en s'affairant ça et là. Nous habiterons tous les deux dans la plus belle des maisons. Depuis qu'elle avait décidé de devenir la maman du petit luma, la fillette travaillait sans relâche. Dans les profondeurs de glace, la fillette avait découvert bien plus que des éclats d'étoiles. Il y avait là des outils, des meubles et des tas de choses étranges qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle avait décidé... Mince, j'ai pas lu. Elle avait décidé de construire une maison, quoi. Ah, ok, c'est bon. Ok. Elle avait décidé qu'elle se servirait de tout cela pour bâtir leur demeure. Contemplant la maison terminée, le luma demanda sur un ton hésitant. Dis, ce n'est pas un peu grand pour nous deux ? En effet, toutes ces pièces, bibliothèque, cuisine, salle de bain, donnaient moins une impression d'espace à l'ensemble qu'un grand sentiment de solitude. C'est vrai, ni papa ni mon petit frère ne seront là, ni maman, dit la fillette d'une voix si basse qu'elle était inaudible. Qu'elle en était presque inaudible. Décidément, cette maison était trop vaste pour deux si petits habitants. Cette nuit-là, la fillette dormit dans le vaisseau, serrant très fort contre sa poitrine son lapin en peluche. Ok, c'est fini. L'arme, l'invasion des anguilles géantes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Monsieur, depuis que ces énormes anguilles sont arrivées, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Tu veux bien nous en débarrasser ? D'accord. D'accord. Ben, on y va. Ok. Alors, où sont-ils ? Où sont-ils ? Là. Là, il y en a un. Raté. Allez. Là, il y en a un. Enfin, une. C'est une anguille. Donc une, oui. Oh là là. J'avais oublié un truc. Il faut appuyer sur le bouton. C'est mieux. Alors, toi là, tu viens là. Mince. Je fais n'importe quoi.
Allez. Où est-elle? Où sont-elles, ces anguilles? Paf. Ok, c'est bon. C'est bien comme ça qu'on s'en débarrasse déjà. C'est l'important. Allez. On va prendre la pièce. Ah, c'est en bas. Allez, vite. Vite. Ok, bon, maintenant, on prend ça et on y retourne. Alors, où est l'anguille? Là, il y en a une. Pourquoi cette caméra est-elle si insupportable? Où c'est? Mince, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis trompé de bouton. Ok, allez. Mince, là j'ai vu l'anguille. Elle est là. Oh zut. Ah, oh là là. Vite, vite, vite. Ok, c'est bon. Allez. Il y en a combien des anguilles là? Je crois qu'il n'y en a que deux. Ou alors il y en a trois. Je sais pas. Mince. Mince. Non, non, non. Allez, vite. Là, ici, ici. Ok, c'est bon. Là, il y en a une. Paf. Ok, c'est bon. Ah, on a fini? Oui, on a fini. D'accord, c'est assez simple. La planète du poisson antique. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un trésor. Avec une carapace de tortue juste devant, enfin une tortue même. Ça va être facile alors. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Encore lui d'ailleurs. Ici, c'est mon refuge secret. Il est en forme de poisson. C'est beau, n'est-ce pas? Magnifique. Allez, hop. Et hop là. Ah, ça ne marche pas. Il fallait s'en douter en même temps. On va devoir partir au fond de la mer. Du poisson. C'est quoi? C'est de la roche? Je pense que c'est de la roche. Allez, on va tout droit. Là, il y a un mur de briques. Ok. C'était simple là. On monte. Je vois une carapace qui brille. Beaucoup. Comment on va là-haut? Je sais pas. Ça a peut-être un lien avec ça. Non, pas la méduse. Les méduses, ça fait mal. Ça me paraît évident qu'elles font mal. Mais peut-être qu'elles font pas mal en fait. Allez. Mais que faut-il faire? Je suis perdu. Ah, j'ai compris. Il suffisait de réfléchir pour aller en haut. Il faut descendre en bas. C'est ma phrase a beaucoup de sens. Pour monter en haut, il faut descendre en bas. C'est un double pléonasme. Mince. On tourne. Là-bas, il y en a un. Ok.
Ok, c'est bon. Bah voilà. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant. J'imagine que là. Ah, voilà. C'est ça que je cherche. Ok. Là. Oh, ça va être chaud de passer. Ah, c'est bon, en fait. J'ai. Oula, c'est quoi tous ces. Ah, la lumière les détruit, d'accord. Ah oui, je suis bête, mais oui, ça fait de la lumière vu que c'est doré. D'accord. Et donc, il fallait une carapace dorée pour ouvrir un coffre doré. Voilà. Ah, c'est Captain Toad dedans. Oula. Pourquoi je ne pouvais plus respirer? Ah, Mario. En fait, je suis tombé dans ce coffre en voulant attraper une super étoile. C'était terrible. Quoi qu'il en soit, prends la super étoile que j'ai trouvée. D'accord. Ruche d'escalade. Ok. Donc là, on a une nouvelle galaxie définie dans la chambre. Donc, bah, on l'a fait, hein. On a fini les gaufres Luma là. Ok. Donc là, on prend le costume de Mario Abeille. Pourquoi il n'y a pas de son du jeu? Je ne sais pas. C'est bizarre. Ok. Oh. Qu'est-ce que. Mince, mince. Oula. Alors, mince, mince. Oula. Très bien. Donc là, on monte là comme ça. Ah, d'accord. Là, il y a une étoile qui apparaît. Et voilà. Allez. Alors, là, on s'envole vers une nouvelle. Vers une nouvelle planète, tout simplement. Non, on n'a pas besoin de nouveaux costumes d'abeilles. Pourquoi en aurait-on besoin après tout? Ce n'est pas comme s'il y avait des dangers partout. Ah, d'accord. Ok. Et donc on s'en va encore. Et cette fois on va ici. Et qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Que nous attend? Qu'est-ce qui nous attend, pardon? Pas que nous attend, ça n'aurait aucun sens. Allez. Ouh. Allez, petit one-up. Bien sympathique. On a quand même 34 vies, on a débuté l'épisode avec 10 vies. Enfin, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. 10 ou 11. À peu près. Oh, un gros scarabée. Ah non, ils sont tous rouges. Voilà, c'était extrêmement simple. Je voulais ne plus remettre les pieds ici. Mais bon, j'ai pas le choix, c'est pour avoir une étoile verte. Donc on y va. Alors. Oula, ça commence bien. Mince, je me suis enfoncé. Voilà, très bien. Magnifique coup. Oula. Non, c'est une blague. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on s'envole. Très très bien. Et maintenant, ben, on va aller chercher où est-ce que ça doit être avec ce gouffre Luma. Ding ding, étoile, tu n'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une chose envie de fragments d'étoiles. Je vais en manger plein plein plein.
Giling, Giling, je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 20, je me transformerai. Bah, vas-y, c'est bon. On peut le faire. Ça y est, je suis repu. Alors, on y va. Bon, mais en fait, c'était pas fini, les gonfres Luma. Mais je voulais dire hors galaxie déjà existante. Oula, qu'est-ce que c'est? Une sorte de pyramide avec un tuyau. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Une étoile d'argent, d'accord. Comment on fait? Quoi? Non. D'accord. Donc je suppose qu'il faut chercher les étoiles d'argent. Là, il y en a une. En utilisant cette sorte de mécanique particulière. Une mécanique de jeu, hein, bien sûr, pas une vraie mécanique. Ça n'a rien d'une mécanique, ça. C'est tout à fait normal et naturel. Là, il y en a une. Oui, ça en était une. Il nous en manque plus qu'une, donc. Où est-elle? Où est-elle? Oula. Oh là là. Ok. Je vais par là, hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si je vais trouver quelque chose, mais bon. Ok, c'est bon. On a réussi. Et donc l'étoile sera verte là, normalement. Oui, voilà, c'est ça. Très bien, voilà, c'était simple. Tout compte fait. Il n'y a que le début qui était dur. Enfin, dur. Pas véritablement dur, hein. Je viens de remarquer deux galaxies très proches de là où on est. Donc une là avec trois couleurs. Qui est en face. Ah, c'est peut-être avec ça là-bas qu'on va avec les étoiles vertes, puisque c'est en face du portail. Et il y a cette petite maison avec un champignon one-up que je ne comprends pas comment on y accède. Mais voilà. Donc on va essayer d'aller voir s'il n'y aurait pas une petite galaxie défi qu'on puisse faire en salle des machines, même si je ne pense pas. J'arrive pas à voler. À voler, pas du tout. Absolument pas à voler, mais à accéder à ça. Ok. Donc la salle des machines, et puis je pense que on peut y aller. En fait, on va pas faire les comètes, hein. On va pas finir le jeu à 100% de toute façon, je pense. Ok, on a déjà découvert le poste avancé. Oui, il y a un petit robot. Alors non, on peut pas y accéder. Mais bon, bah c'est parti pour la galaxie alors. Bois d'automne. On va pas tout faire aujourd'hui, hein, par contre. Ce que cherchent les lapins lunaires. Qu'est-ce que ça peut être? Que cherche-t-il? Bonjour. Avec mes frères, nous cherchons des morceaux d'étoiles bleues. Mais on n'en trouve pas. Ben, je vais vous aider. Enfin, vous aider. Je vais faire tout à votre place. Là, il y en a un. Tiens. Montre-nous où ils sont. Ok, bah, vas-y. Ah, là, il y en a un. Oh, là, il y en a un. Ils sont vraiment très durs à trouver. Ok, ensuite.
Ou d'autres s'il y en a. Ok. Là, il y en a un. Très bien. Et il en manque deux. En fait, partout où il y a un petit lapin, il y a un morceau d'étoile. Visiblement. Ils sont là pour nous aider, visiblement. Puisque nous, on est là pour eux. Ok, il en manque un. Où peut-il être ? Mais là, on revient au début. Oh, il y a un L. C'est Luigi. Ah, là, il y a ça. Oui, c'est le seul qui ne montrait aucun. Donc, c'est peut-être ça qu'il nous montre. Ah, là, il y a une transformation Mario abeille. Je veux juste récupérer le one-up. Voilà, c'est bon, on peut le reprendre. Hé, hey, t'es méchant toi. Voilà. Je veux lui sauter sur la tête. Alors. Il veut enfoncer cette sauce dans le sol. Comme ça là. Ok. Merci beaucoup l'abeille, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Et continue à essayer d'enfoncer la sauce dans le sol alors qu'elle est déjà enfoncée. D'accord. Mais très normal cette abeille. Ok. Ok. Voilà, donc... Là, on s'envole. Il y a clairement un truc. J'ai failli tomber à côté. Ok, mais en plus, ça, c'est un trou. Oh non, 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 non. Ok, on a réussi. Après avoir dû reprendre tous les morceaux que j'avais perdus. Là, il y a quoi ? Rien du tout. Très bien. Ne tombons pas. Ok, je vais juste... Ouais, non, non, non. Non, non, oh là là. Non, oh là là, ouf. Il faut juste que je refasse tout le tour. Ok, alors en fait... C'était sous mes yeux depuis le début. Voilà. Donc ce que je fais depuis tout à l'heure, ça sert à rien. Donc je suis mort pour rien. Plusieurs fois. Alors là, là. Très bien. Et là, on va sur cette petite planète ronde. Avec un petit lapin. Tu crois pouvoir m'attraper ? Ah, faut brancher. C'est quoi ça ? Oh, d'accord. C'est intéressant. Mais ça nous donne des obstacles. À nous aussi. Il est là, le petit lapin. Le petit lapinou. Qu'est-ce qui se passe si je casse ça ? D'accord. Ok, ben, on va aller chercher ce petit lapin. Tout rigolo. Ah d'accord.
peut l'attraper sans utiliser ses gadgets. Voilà. Très bien. Les murs ne servaient à rien. Et voilà l'étoile. Bon, et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. À la prochaine. Ciao.